Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte, le second dédié à Sarah Moon et cette fois en couleur. Dans le coin, je vous mets un lien vers l'épisode précédent qui parle du doute en photographie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion de la lumière et à la couleur dans l'œuvre de Sarah Moon. Sa démarche en couleur est bien différente de sa photographie en noir et blanc. Sarah Moon prend la couleur comme un sujet en soi. Elle ne montre pas seulement une scène en couleur, mais semble bien plus en extraire chaque teinte comme un pigment qu'elle étale ensuite à son gré sur le papier photographique. Les contours flous de ses images en couleur les éloignent de la précision propre à la photographie et les rapprochent de la peinture. En associant les images de modèles avec les fleurs ou les oiseaux, toujours en créant un lien chromatique, elle nous présente une ambiance différente à chaque page que l'on tourne. À propos de la couleur, elle dit « J'y pense comme à un langage plus commun, plus généreux, plus ouvert, le langage du réel. Lorsque je photographie des fleurs, une nature morte ou même de la mode, la couleur m'oblige à être plus abstraite. Je me dois de transposer pour être plus proche de ce qui m'a impressionné à première vue. » Pour être plus juste en parlant de la lumière, dans les photos de Sarah Moon, il faudrait plutôt parler de l'absence de lumière. Si vous avez regardé attentivement toutes les photos, il n'y a jamais de haute lumière. Les personnages, les oiseaux ou les fleurs sortent tout juste de la pénombre pour composer un tableau intimiste. Cela donne une ambiance feutrée qui est renforcée par le tirage si particulier. Dans ces deux premiers exemples, nous avons des diptyques avec d'un côté des oiseaux et de l'autre un modèle. On constate à chaque fois une belle correspondance au niveau des teintes dominantes. Le vert pour la première avec quelques rappels de jaune et de rouge. On remarque également une construction d'image où d'un côté les pattes de l'oiseau sont coupées et de l'autre les jambes semblent lui répondre. Pour le fun, on peut associer les deux images l'une au-dessus de l'autre et créer ainsi une chimère. Sur la suivante, c'est le jaune et le noir qui sont en correspondance, avec en plus une similitude dans la composition de l'image. En superposant les deux photographies, on se rend compte que la dynamique est la même. On retrouve l'œil du merle dans le triangle formé par le coude, la forme de la tête de l'oiseau épouse les épaules et enfin le bec suit la ligne du bras en direction du bas. Je voulais vous montrer également, juste pour le plaisir, deux associations entre des fleurs et des modèles que je trouve juste magnifiques. Regardez ce rouge carmin intense qui remplit l'image. On a l'impression que la photo de gauche pourrait être un détail de celle de droite. De plus, la forme globale de l'arbuste rappelle la silhouette de la modèle. Et pour terminer en beauté, ce jeu de textures subtiles donne l'impression que la robe est faite avec les pétales de la fleur. Et encore une fois, cette superbe association de couleurs complémentaires, jaune et pourpre. Pour ceux que la technique du tirage intéresse, je vous mets un lien dans la description vers les vidéos de l'atelier Todd Gandler qui a réalisé une bonne partie des tirages couleurs de Sarah Moon. Merci à tous, pensez à vous abonner, commenter, liker et partager la culture photo autour de vous. Cliquez dans les coins pour voir d'autres épisodes. À bientôt !